Rangiroa, une vingtaine d'enfants de 5 à 12 ans ont été conviés à participer à un programme baptisé Impact 2024, savoir nager dans les îles, un stage de natation à vocation préventive et sécuritaire en faveur des enfants des îles éloignées. À raison de 2 séances par jour, des éducatrices veilleront également à développer des valeurs sociales à travers cette discipline. Écoutez l'enthousiasme du maître nageur Mélissa Payen, elle répond à Matua Hawata. L'objectif réel de ce stage, c'est vraiment l'aspect sécuritaire avant tout. Ça veut dire que les enfants, ils valident ce qu'on appelle le petit diplôme savoir nager en sécurité. C'est un petit diplôme qu'on valide, qui dit qu'ils sont capables de faire une distance à peu près de 50 mètres, que ça soit sur le ventre et sur le dos. Depuis cette année, on a voulu vraiment développer ce dispositif pour l'ensemble des Polynésiens et commencer notamment sur les îles éloignées comme Rangiroa. Donc Rangiroa, c'est vraiment notre première édition. L'information, on continue sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.